J'attends mercredi avec impatience, mesdames et messieurs, car le mercredi, c'est WebPress. C'est vraiment l'émission qui vous permet de décortiquer l'actualité, de comprendre un peu mieux l'actualité. Aujourd'hui, je suis avec des excellents confrères. Nous allons essayer de décortiquer trois grands thèmes, mesdames et messieurs. Nous allons parler, évidemment, vous l'aurez sans doute deviné, du discours du chef de l'État devant les deux chambres réunies. Nous allons parler de la motion de Sesanga qui a été retirée à l'Assemblée nationale et évidemment la situation dans l'Est de la République. On se rend compte aujourd'hui que la société civile dénonce l'infiltration d'ex-M23 depuis l'Ouganda. Comme vous le savez, il y a toujours un problème à l'est de la République. Voilà, mesdames et messieurs, je suis avec Thierry Bongo de SSM. Bonjour Thierry. Bonjour madame. C'est toujours un plaisir, vraiment un plaisir de recevoir une intelligence de mon pays. Je crois qu'à SSM ça va. On se bat, c'est bon. C'est comme le pays, on se bat toujours pour rester la tête hors de l'eau. Bonjour Joël Cadet. Très cher Constant, bonjour. Impact News, il n'est plus à présenter. Hein. Donc aujourd'hui, nous allons parler ensemble avec lui, nous allons débattre de ces sujets avec lui et nous allons terminer avec Patrick Kalinga d'Antenna et il est aussi coordonnateur de Tabala Magazine. Bonjour Patrick. Bonjour Paulette. Très heureuse de vous recevoir en tout cas sur ce plateau de WebPress où en tout cas les intelligences vont parler et du choc des idées jaillira bien sûr la lumière. Nous allons parler, mesdames et messieurs, du discours du chef de l'État. Alors Thierry Bongo, je sais que vous l'avez suivi en tant que journaliste chevronné. Quelle est votre impression? C'est vrai que c'est un discours fleuve hein, qui a duré 1h30 si je ne me trompe pas. En un mot, en quelques mots, qu'est-ce que vous avez retenu vraiment de ces discours pour vous? Bon, en quelques mots, faire le résumé de ce discours serait un exercice assez périlleux. Je peux dire que le chef de l'État a dressé un bilan assez optimiste de l'année 2014. Il dit avoir réussi le pari de la fin de la guerre. Et il dit avoir aussi commencé le début de réalisation des recommandations des concertations nationales. Je retiens que le chef de l'État a fait des concertations nationales et ses résolutions, d'ailleurs, une sorte de ligne maîtresse de conduite par rapport à l'exercice de sa gouvernance. Je retiens que Joseph Kabila a eu à féliciter quelque peu les efforts du gouvernement, ce qui est rare dans ses discours. Il a pris position pour le gouvernement Matata et ses réalisations. Nous pouvons retenir que c'est assez rare de sa part, parce qu'il a souvent eu à jeter des petites épines vis-à-vis de ce gouvernement pour le stimuler à mieux faire. Surtout sur le volet social. Surtout sur le volet social. Et je constate justement, puisque vous en parlez, que le volet social tel que attendu par les Congolais n'ont pas été rencontrés dans ce discours, dans le sens que on aurait voulu voir le chef de l'État nous dire que le taux de chômage qui était de 90% annoncé à une certaine époque par un ministre du Travail, Nzanga Mobutu, a changé la courbe pour atteindre peut-être un taux moins élevé. On aurait voulu vraiment entendre le chef de l'État dire ça. Mais de manière générale, nous disons que c'est un discours satisfaisant, dans le sens que c'est une communication qui est adressée à une certaine catégorie de personnes, et cette catégorie de personnes a pu analyser les volontés du chef de l'État par rapport à ce qui a été fait et par rapport à ce qui reste à faire. Et cette catégorie de personnes, on a compris que c'est pratiquement au monde politique, hein, tant national qu'international. Oui, le monde politique tant national qu'international qui a été adressé ce discours sur l'état de la nation. Mais le peuple ne se retrouve pas, à mon avis, dans ce discours bilan. On rebondit toujours, c'est ça, on represse, on prend les idées des uns et des autres, on rebondit. Thierry l'a dit, le peuple ne s'est pas retrouvé dans ces discours. Le volet social, on n'a pas rencontré le volet social. Évidemment, beaucoup d'attentes à la population s'attendait à beaucoup, beaucoup de choses, mais qui n'a pas été dite. Est-ce que pour vous, ce discours, Joël Cadet, a été de l'autosatisfaction ou tout simplement un bilan tracé par le chef? Madame Paulette, j'aime bien le dire à haute voix. Vous êtes une communicologue des hautes factures. Vous savez, lorsqu'il y a une communication de ce niveau-là, à qui elle est adressée, il y a un émetteur, il y a un récepteur, il y a le feedback. Et ce sont les notions que vous maîtrisez bien. Bon, évidemment, vers les destinataires du discours, peut-être il faudrait attendre de comment est-ce qu'ils ont reçu les discours. Mais d'une manière globale, c'est un discours du bilan de mi-parcours. Là, on est arrivé. Et là, je crois
féliciter le chef de l'État dans la mesure où il a répondu, n'est-ce pas, à quelques questionnements de votre émission, lorsque nous nous disons toutes les fois qu'au lieu que l'on fasse le bilan de mi-parcours, les gens nous ont pratiquement plongé dans le fleuve de la révision constitutionnelle. Mais au moins, le chef de l'État est venu avec quelques chiffres pour dire ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas pu faire. Mais dans ce discours-là, vous allez sentir qu'il y a un problème. Le problème, c'est que ce discours semble en déphasage avec les réalités sociale, du terrain. Hein. Mmh. Donc, le discours, donc c'est comme si le chef n'est pas totalement intégré dans sa population pour connaître réellement ce à quoi la population s'attend. Parce que lorsqu'on vient, le discours, comme le mot l'indique, le discours sur l'état de la nation, donc vous présentez l'état, pratiquement vous faites les diagnostics de la situation du pays pendant un exercice donné, vous relevez les problèmes qui ont été soulevés par votre population, vous donnez les solutions que vous avez proposées et les perspectives d'avenir. Mais le discours et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est notamment le problème d'eau, d'électricité, des infrastructures, des routes, des dessertes agricoles. Vous allez constater même que les infrastructures, notamment la voirie urbaine, est dans un état de détérioration très avancé. S'il a plu pour accéder ici chez vous à Congo Web, c'est tout un problème. Il faut soit avoir un bateau, il faut monter dans les chariots, dans les pousse-pousse. Donc, c'est vous dire que les discours un peu décalés des réalités de la population. Et non seulement de la population à l'interne, mais le chef de l'État n'a pas fait cas de nos frères, de nos sœurs qui sont dans la diaspora. Dans la diaspora. Et même ceux qui ont été chassés de Brazzaville, ceux qui ont été expulsés de Congo-Brazza, ceux qui ont été expulsés de l'Europe, des États-Unis et partout ailleurs. Donc, c'est comme si on gère le Congo pour les Congolais de l'interne. Bon, peut-être que c'est la perception qui a été donnée avec la loi électorale qui ne tient compte que du vote des autochtones. Congolais. Or, nous avons plus de 8 millions de Congolais à l'étranger. Et ces Congolais-là se reconnaissent autant que nous comme patriotes, comme appartenant à ce pays. Alors, faire un discours où vous ne faites pas mention d'eux, de leur c'est rapport, comme si ils sont abandonnés. Et pourtant, il faut le considérer, ils ont une part très active dans les vies quotidiennes de la population. On a remis le vice-ministère des Congolais des Congolais de l'étranger. Donc, c'est vous dire qu'ils vivent quand même, et vous avez senti. Et les questions essentielles auxquelles la population s'attendait, je ne voudrais pas parler comme des politiciens, notamment sa position par rapport à son avènement, par rapport à 2016, il n'a pas dit mot. Tout simplement, on a entendu qu'il a donné une position politicienne de laquelle nous pouvons interpréter ce qui suit. Un, il est pour le glissement du mandat avec l'Office national d'identification de la population. Il n'a pas dit clairement. Hein. Ce que je dis, de l'interprétation qu'on peut faire de ces mots-là, donc le gouvernement devra soutenir les efforts de l'action de l'ONIP. Donc, il est pour le glissement. Alors, pour obtenir ce glissement-là, sa main est tendue et restera tendue. Donc, pour un dialogue avec ceux qui sont dans l'opposition, pour le rejoindre de manière à ce qu'il y ait ce glissement. Et il est pour rester au pouvoir avec également la CNI et qu'il n'a pas à écouter Hollande, qui sur la manière dont il a parlé comme s'il donnait des injonctions. Il n'a pas à écouter John Kerry, qui a pratiquement donné les injonctions. Il n'a pas à écouter Obama, qui ont pratiquement donné les injonctions. Nous avons les sagesses ici au pays. Madame Paulette, si nous avons des contradictions, elle pourra nous réunir. Nous avons les sagesses ici au pays, donc nous allons nous entendre selon nous-mêmes. Patrick, voilà un peu ce que nous pouvons. Vos impressions par rapport à ce discours fleuve, vraiment, c'est un discours vraiment fleuve. J'aime toujours tuer les impressions avant qu'elles naissent. Je voudrais analyser avec certitude. Au fait, ces discours, comme l'a dit mes frères, au fait, c'est un discours qui ne s'enracine pas dans le concret. C'est un discours qui était plus dans l'abstraction parce qu'on attendait les chefs de l'État à donner un discours qui pourrait probablement décrisper la tension qui couvre en tout cas la sphère politique actuelle, notamment le mandat du président de la République à l'horizon 2016, notamment le problème de l'ONU, parce que
pour votre gouverne, il y a une frange de l'opposition qui projette organiser un meeting au mois de janvier les 11 pour contester l'installation de cet office national d'identification, parce qu'on dit que c'est un instrument tout simplement pour retarder les élections. Alors, ces discours devraient normalement être précis, être clairs, avec des délais, avec un chronogramme. Mais on a senti qu'on était plus dans la philosophie, on était plus dans les discours abstraits. Donc, il n'y avait pas quelque chose à soutirer en substance dans ces discours. Mais je trouve que c'est un exercice de routine. Aujourd'hui, quand on analyse les discours, ça c'est la troisième année qu'on analyse ces discours. Il y avait un discours l'année passée, il y avait un discours l'année écoulée. Aujourd'hui, on analyse les discours. Finalement, on se pose la question sur la pertinence de nos propos. Si aujourd'hui, les discours prononcés par le président Joseph Kabila ne riment pas, parce que généralement, il faut rattacher les discours avec la personne qui présente ces discours, qui prononce ces discours. Est-ce qu'il y a une adéquation entre le comportement ou l'exercice de la gestion du pays par le président Kabila et ce qu'il est en train de dire? Alors, connaissant le président de la République, je me dis que ça a été un discours politicien teinté de beaucoup de démagogie, parce que tout simplement, le peuple a besoin. Il y a l'ami Kadé qui a abordé la question de l'aspect social, la dimension sociale en fait. Aujourd'hui, on est un pays qui a un taux de croissance à des chiffres. On nous parle de la stabilité du cadre macroéconomique, mais malheureusement, or c'est le cas, malheureusement, notre stabilité, notre cadre macroéconomique, c'est porte que dans les secteurs miniers. Et les secteurs miniers n'est pas créateur d'emplois. Aujourd'hui, comment cette stabilisation du cadre macroéconomique peut impacter sur les sociales? C'est pas en discourant, c'est pas en parlant tout simplement, mais c'est tout simplement en portant son énergie dans les secteurs créateurs d'emplois. Aujourd'hui, beaucoup des jeunes finissent les universités, n'ont pas d'emploi. Le marché d'emploi est devenu tellement difficile qu'on a plus de politologues, plus de communicologues, plus de gens, des infirmiers, etc. Il y a moins des géologues, etc. Or, 4% des étudiants qui finissent l'université, ce sont des géologues et tout. Alors, dans le 100%, vous n'avez que 4%. Et vous vous félicitez, stabilisation cadre macroéconomique, secteur minier. Tout ça, c'est un échec cuisant. Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas faire une communication de charme, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et dans la certitude, je peux dire que ce discours n'a pas rencontré l'assentiment de l'opinion, en tout cas. On va décortiquer un tout petit peu. Toutes les élections prévues par les lois de la République seront organisées conformément aux dispositions qui seront prises par l'institution compétente pour ce faire, à savoir la CENI. Donc il a quand même rassuré, ne cherchons toujours pas la petite bête. Vous parlez des préoccupations de la population, du social, et tout ça, les élections, il n'y en a pas. Ça se fera, Thierry Bongo. Il l'a dit. J'aimerais d'abord revenir sur un fait, c'est un élément important que Joël Kadé a dit. Le discours de fin d'année, ce discours. C'est un discours bilan. Voilà. Il devait consacrer plus de 80% de ses propos à nous dire ce qu'il a fait. Il a tenté de le faire, mais tellement l'attente était portée vers le futur. Je le sens même sur ce plateau, les gens voulaient à tout prix qu'ils puissent se prononcer sur les questions clés qui sont politiques et qui sont tournées vers l'avenir. Il a glissé justement dans ces propositions-là, comme quoi il faut le rassurer, une certaine opinion comme quoi il est pour la tenue des élections, mais la responsabilité de sa tenue n'encombe pas à la seule personne du chef de l'État, mais ça revient à la CENI et par ricochet au Parlement qui doit fournir les lois et au gouvernement de cohésion nationale qui doit donner les moyens. Donc, ce n'est pas Joseph Kabila si en 2016 vous n'avez pas d'élection, ce ne sera pas de sa faute. C'est ça que ça veut dire justement. Ça veut dire que lui pour lui, il n'y a pas de problème. Mettez-moi le calendrier électoral, mettez-moi je ne sais pas quoi, on organise les élections. Mais c'est là où aujourd'hui Joseph Kabila soutient un petit peu le suspense et c'est une donne politique importante. À sa place, beaucoup de gens le feraient. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas maintenant qu'il dira qu'il ne sera pas candidat, qu'il y aura élection ou pas, parce qu'il doit maintenir une certaine cohérence autour de lui. Et cette cohérence ne tient qu'au simple fait de sa présence au centre de l'arène politique congolaise aujourd'hui. Alors, de stratégie politique, de stratégie de communication, il était nécessaire pour lui de ne pas se prononcer
clairement sur la question, mais donner des petites assurances comme quoi ce n'est pas de ma faute. Si vous me donnez la CENI, si la CENI me donne le calendrier global en temps utile, pas de problème, on analyse. Le reste, ce n'est pas moi. Une autre phrase clé qui a tourné vraiment en boucle partout dans les radios périphériques, dans les télépériphériques, c'est le mot injonction. Aujourd'hui, le peuple congolais a l'impression de découvrir ce mot. Le président l'a dit clairement. Il ne veut pas des injonctions. Que comprenez-vous, Joël Kadel? C'est la question que je vais poser à tout le monde. Il a d'ailleurs dit, le peuple congolais n'est pas comme n'importe quel peuple. Ses comportements des uns et des autres surprennent parce qu'il n'y a pas de crise politique en RDC. Donc, il n'y a pas de crise, selon le chef de l'État. Et en plus, sa main reste toujours tendue. Le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Un peuple jaloux de son indépendance. Donc, c'est tout à fait normal, on n'a pas besoin d'injonctions, on fera les choses à notre manière. Bon, madame, je crois qu'il y a lieu d'être bien souverain. Je suis le partisan du souverainisme, comme Lambert Mende l'a toujours dit. Donc, je suis vraiment le partisan que nous soyons souverains. Mais écoutez, aujourd'hui, vous venez me dire que votre enfant est malade, il faudrait que je puisse vous apporter mon apport, ma petite contribution pour guérir votre enfant, et qu'après vous avoir donné mon argent, vous vous asseyez sur la route, vous commencez à prendre la bière, vous vous enivrez, vous rentrez même à la maison sans aller regarder cet enfant à la maison. N'ai-je pas le droit de vérifier que madame, je vous ai remis mes 100 dollars ? Non, quand vous donnez, vous ne regardez plus. Non, non, pas du tout, pas du tout. Je ne vous connais pas. Dieu même l'a dit, la main qui donne... En relations internationales, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Donc si moi, lorsque vous m'avez tendu la main, que je vous ai placé quelque chose dans votre main... Vous n'avez pas à me surveiller de ce que je fais. S'il vous plaît, en relations internationales, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas dans la Bible, les relations internationales ne sont fondées que sur les intérêts, pas d'action, pas d'intérêt. Alors, lorsque pas d'intérêt, pas d'action. Vous avez demandé, n'est-ce pas, que je puisse vous apporter mon appui pour l'organisation de vos élections. Je dois vous dire, messieurs, s'il vous plaît, pas de mandat à la tête du pays, vous devrez respecter votre constitution. Ça peut être pris comme une injonction, ça peut être pris pour un conseil, mais tout simplement c'est pour nous éviter à ce qui est arrivé. Bien sûr que le peuple congolais n'est pas burkinabé, bien sûr que le peuple congolais n'est pas libyen, bien sûr que le peuple congolais n'est pas égyptien, mais il faudrait retenir aussi que ce peuple a eu à arrêter les Rwandais avec les mains nues, a eu exactement, je m'excuse, je ne fais pas l'apologie de la violence, mais a eu à les désarmer avec les mains nues. Et vous vous rappellerez, c'était en 1998, Moussa Laurent-Désiré Kabila avait pratiquement accordé 3 mois sans paiement de l'eau et de l'électricité à la Tchangou pour ce qui a été fait. Donc vous vous rappellerez que le 16 février 1992, il y a ce peuple qui a dit non et qui a exigé l'ouverture, la rouverture de la Conférence nationale souveraine. Donc c'est ce même peuple ici, qu'on ne sait leur pas. Je crois que c'est normal que l'on puisse dire, parce qu'en effet, à un moment donné, les injonctions aussi exagèrent, et à un moment donné, ça exaspère que l'on trouve nos opposants qui ne font appel qu'à l'étranger pour la résolution de leurs problèmes. Je crois que sur ce point-là, le chef de l'État peut avoir raison. Mais quant à dire particulièrement qu'il n'y a pas de crise, mais moi je crois que depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, il y a une crise dans la mesure où les élections ont été contestées et le chef de l'État lui-même avait reconnu qu'il y avait eu des irrégularités dans l'organisation de ces élections. Et pour mettre fin à cela, il a fallu qu'il y ait l'organisation des concertations nationales, où les franges importantes de l'opposition qui étaient attendues n'y ont pas pris part, où la frange rebelle qui avait pris les armes contre ça n'y avait pas pris part. Je crois que cette crise est encore pendante jusqu'à ce que l'on organise le dialogue dans le sens prévu par l'accord cadre d'Addis Abeba. Et tant que nous resterons dans ces conditions-là, vous vous rappellerez que dans ce pays, il y a eu 2 présidents qui ont prêté serment, bien que ça puisse avoir été à la maison, mais vous vous rappellerez aussi que Gbagbo avait prêté serment, Ouattara avait prêté serment, et heureusement ou malheureusement pour Gbagbo, il a été sorti de Sony par l'armée française. Donc vous comprenez qu'il faudrait que l'on nous évite à revivre ce que Kimbangu a vécu, qui a été tué, ce que a vécu Kimpavita, dont mes frères de la province orientale ne se reconnaîtront pas, que l'on puisse nous faire oublier ce que Gizenga a fait, par exemple, du temps de Mulele, tout ce que je dis, les rebelles de Kisangani avec Anwarita Negapeta. Donc,
il faudrait que nous puissions reconscrire le cadre, n'est-ce pas, de ce que veut la population, en effet la population congolaise, est jalouse de son indépendance, de sa souveraineté, mais si nous tenons à ça, en tout cas que l'on on mette un peu fin aussi à la contribution de l'extérieur à l'organisation de votre élections. Point de vue par rapport à ce terme injonction, c'est vrai que la RDC n'a plus besoin aujourd'hui des injonctions venues de l'extérieur, parce que nous on ne s'occupe pas de ce qui se passe ailleurs. Pourquoi tout le temps les yeux sont tournés vers la République démocratique du Congo? C'est discutable, mais il faut prendre les choses dans un bon sens au fait. Aujourd'hui, c'est vrai, ce terme tend à se sloganiser dans notre société. Aujourd'hui, vous verrez quelqu'un vous dire que Nabouy ben injonction, ça rend des conseils, Narundim. Nabouy ben injonction. Mais en fait, quelle est la quintessence de cette phrase? Parce que nous sommes en politique. Le président a fait un discours politique. Quand il dit ça, c'est-à-dire que dans le coulisse, a priori, il se sent acculé politiquement et tout. Mais nous devons savoir une chose. En fait, le monde est géré par ce qu'on appelle la théorie de l'équilibre. La sécurité mondiale est gérée par la théorie de l'équilibre. C'est-à-dire que les intérêts mondiaux, les intérêts mondiaux, au fait, tiennent compte des intérêts aussi nationaux. C'est-à-dire que vous êtes président au Congo. Les problèmes d'insécurité du Congo peuvent avoir un effet d'entraînement sur d'autres pays. Ça veut vouloir dire que pour la sécurité mondiale, on a un droit de regard sur vous, si vous chavirez, si vous ne marchez pas dans la droite ligne. Et n'oublions pas que le président Joseph Kabila, le pays, la RDC, est signataire de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et dans l'option pour la résolution des conflits de notre pays, le président avait trois options: politique, militaire et diplomatique. Diplomatique, c'était de négocier avec les partenaires extérieurs pour résoudre le problème du pays. Alors pourquoi est-ce que, du coup, il tourne kazakh, ses partenaires-là, hier, qui l'ont aidé, et aujourd'hui, il dit non, on n'a pas besoin des injonctions, on a besoin des conseils, etc. Nous sommes souverains, 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 souverains. À l'époque, il fallait dire aussi qu'on était souverains, mais on a tendu la main parce qu'on était dans la position de faiblesse. Et je ne voudrais même pas aller, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que ça a été un discours d'adieu, fin mandat, parce que généralement, la plupart de présidents arrivés à fin mandat tire à boulet rouge sur le partenaire extérieur parce qu'ils se disent bon, et Narumi Namape Nasuka, en fait, il faut bon, que je dise quand même quelque chose parce que je vais partir. Hein? Mais ce n'est pas quelque chose qui est à proprement diplomatique pour un homme d'État. Il faudrait soigner, collaborer avec ses partenaires extérieurs parce que nous allons, il y a un sujet que nous allons exploiter de la situation au Nord Kivu. Vous allez voir que ça s'entremêle avec une certaine collaboration avec le partenaire extérieur. Aujourd'hui, on ne doit pas tirer à boulet rouge sur les partenaires extérieurs, mais il faut y aller méthodiquement avec beaucoup plus de sagesse et d'intelligence. Thierry, bon, on a cité des noms. Et le peuple congolais a découvert, d'ailleurs ma fille m'a posé la question, « Maman, c'est qui Kimpa Vita et tout ?» on a cité beaucoup de noms. Le président a dit que nous sommes la descendance de Kimpa Vita, de Lumumba, de Gizenga et tout ça. Mais le peuple congolais est un peuple très, très, très intelligent, qui a remarqué qu'on a omis aussi bon, d'autres noms. Alors, la toute première question, Thierry, c'est qui Kimpa Vita, vous, Kimpa Vita? C'est qui Kizenga? Quel est le rapport dans l'histoire de notre pays pour que le chef d'État prenne le temps de les citer ainsi devant les deux chambres réunies? Bon, si j'ai compris, Joseph Kabila, dans le contexte de son texte, sur cette partie-là, il a voulu mettre en première ligne des figures de rébellion, de révolution, des personnes qui se sont levées contre l'oppression, contre les forces qui terrassent le peuple. Voilà, Kimpa Vita, Dona Beatrice, comme on l'appelle, c'est une figure religieuse, une femme qui s'est levée contre les religions étrangères. Kimbangu, même mort, on peut citer Lumumba, qui était parmi les acteurs politiques majeurs de l'indépendance de notre pays. Ce sont des figures de l'indépendance, de la connaissance du sentiment nationaliste du Congolais. Mais Kassavou bon, aussi a été Kassavou cité. Mêmement, mais bon. Gizenga, là, qu'est-ce qu'il a fait personnellement, Gizenga? Ça, on comprend qu'on a voulu caresser dans le sens du poil un petit peu les amis du Palou pour avoir iconisé cette personne de son vivant. Et c'est cette opération de charme que souvent la majorité présidentielle a eu à faire depuis 2006. Je n'adhère pas à ça, mais je comprends qu'il puisse le prendre en exemple dans le sens où le texte était orienté
dans ce sens-là, où on veut mettre en exergue que le peuple congolais a ces images de révolutionnaires et ces icônes-là sont telles. On n'a pas cité Mobutu parce qu'on n'a pas estimé, selon eux, que Mobutu était un révolutionnaire. C'est dans le sens qu'ils ont pris. Bon, nous analysons, nous comprenons qu'il y a encore des séquelles en ce qui concerne l'écriture de l'histoire de ce pays jusqu'à ce jour. On aurait dû placer les choses dans son contexte, on aurait compris que voilà, toutes ces personnalités citées, y compris Mobutu, ont joué un rôle par rapport à la détermination de la nationalité congolaise, par rapport à l'esprit indépendant du Congolais. Je vous rappellerai le discours de Mobutu devant les Nations Unies en 1974, là où il a dit clairement que l'impérialisme, en le nommant bien, ne pourra pas conduire son pays, bien que des fois, certains analystes vous diront que c'était un discours de charme pour charmer. Mais en réalité, ce n'était pas ça. Si Joseph Kabila dit que le peuple congolais n'est pas un peuple comme les autres, il a totalement raison. Nous avons par plusieurs fois fait montre que nous pouvons choisir notre avenir nous-mêmes. Joël Kadir Langala a cité plusieurs fois par rapport à certains événements récents. Mais plutôt que ça, à l'indépendance, on a montré qu'on est un peuple qui veut s'autodéterminer depuis très longtemps. Nous avons montré avec le départ de Mobutu que nous voulons qu'il parte et que nous voulons être démocratiquement dirigés, que nous voulons être libres. Et il est conscient, Joseph Kabila, en citant ces personnes, qu'il n'est pas épargné. Il a cité cela et c'est, moi je pense que c'est quand même une bonne chose parce que c'est une façon aussi de se remettre en cause par rapport à lui-même. Donc, c'est un peuple congolais qui n'est pas comme le peuple burkinabé parce que le Burkina Faso, n'oublions pas que ce n'est que maintenant qu'ils ont fait partie de leur dictateur, Blaise Compaoré. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, nous l'avons fait déjà en 1996 plutôt, avec le départ de Mobutu. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, on l'a fait déjà depuis longtemps, les Burkina Faso. Et nous, nous avons une histoire à nous à défendre, nous sommes bien plus avancés que eux. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire partir un président par la force des armes. Par la force de la rue. Nous allons le faire partir par les élections. Et nous aurons des élections en temps utile. Toutes les personnes qui vont se dresser devant cet objectif ultime connaissent le chemin à suivre. Ils en connaissent le chemin. Et Joseph Kabila connaît mieux que tout le monde que la voie qui va contre le peuple est une voie très mauvaise et tu vois suicidaire. Nous allons prendre le volet de la MONUSCO sécurité. Il a dit aussi que non, 20 000 hommes de troupes, c'est trop par rapport à la MONUSCO et que en tout cas, tôt ou tard, ils doivent bien nous quitter. On doit bien se séparer. Vous êtes pour cet avis du départ vraiment de la MONUSCO non, par rapport à ces... À un certain moment, madame, qu'on le veuille ou non, on doit réduire les effectifs de la MONUSCO. Il ne faudrait pas que l'on s'acharne tout simplement contre les employés de la MONUSCO nationaux qui ont été pratiquement chassés, qui ont été licenciés d'une manière très abusive et sans aucun respect des lois du code du travail congolais ou même du code de l'Organisation internationale du travail, qui ont été chassés comme des petits chiens, alors que nous avons plus de 20 000 éléments de troupes dont on ne sent plus leur importance, parce qu'à l'époque, ils pouvaient être déployés à l'Équateur, où il y avait encore des soubresauts de la guerre, ils pouvaient être au Katanga, au Kassai, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'importance que nous ayons autant des troupes de la MONUSCO ici chez nous. Là où ils devraient en principe être concentrés, c'est à Beni. Mais vous apprenez au moins qu'il y a au moins 10 personnes tuées à coups de machette, à coups de hache, à coups de couteau. Ça voudrait dire, lorsque on tue à coups de machette, c'est qu'on a bravé tout le risque et tout le danger pour tuer corps à corps. Et alors, je crois que là où il devrait être concentré, c'est là où il y a la force d'intervention rapide, la brigade d'intervention rapide, mais où on ne sent pas son impact. Et je crois, à un moment donné, on peut ne pas aimer Joseph Kabila, mais sur ce point-là, je crois que je reste totalement d'accord et... Ils doivent quand même penser aussi à partir. Et puis, c'est la force la plus importante au monde, mais dont l'incidence, on ne la sent plus aujourd'hui. Je crois qu'il y a lieu, peu à peu, qu'il se retire de notre territoire. Nous allons terminer quand même par le volet de la parité. Je suis une femme, même le chef de l'État l'a dit. Il a dit qu'en tout cas, il se plaint et se soucie de la faible représentativité de la femme dans les institutions et invite donc le Parlement, le gouvernement, les partis politiques à prendre des dispositions pour que ces hiatus soient corrigés. Voilà, ça s'est vu même dans ce gouvernement de cohésion nationale qui vient de paraître il n'y a pas longtemps, qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. 7 femmes sur 42 ministres. C'est incroyable, c'est insignifiant, c'est une goutte d'eau dans l'eau.
Ben, au fait, on se pose la question, Thierry, si ta femme n'est pas compétente, je me demandais s'il ne devait pas être ministre, on se pose même la question, il n'y a pas de femme compétente dans ce pays, pour qu'on ait que 7 ministres. Et d'ailleurs, vice-ministre plutôt, parce qu'il n'y a que 2 femmes ministres, je crois, non? Commerce extérieur, deux femmes. Deux femmes ministres. Portefeuille. Voilà. Il n'y a que 2 femmes ministres sur 42. C'est incroyable, c'est inimaginable sur une population de 60 millions. Avec Jean. Avec Jean. Madame Kate Bijoux. On n'a qu'à mettre un homme aussi dans le genre. Ce n'est pas obligé de mettre une femme. Donc on se pose la question, sur 60 millions de Congolais, on ne retrouve que 7 femmes compétentes. Bon, Paulette, je crois qu'il y a une réponse simple à la question que vous avez posée. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes compétentes? Ça existe. Mais la compétence, encore une fois, il faut le dire, ça ne se décrète pas. Ça se constate. Ça se constate sur le terrain. Aujourd'hui, vous arrivez dans une chaîne de télévision, je prends un exemple. Vous trouvez des hommes qui sont aussi compétents que vous. Mais vous devez vous prévaloir, vous devez vous émouvoir dans cette société pour qu'on remarque votre compétence et qu'on vous pourquoi la compétence de la femme doit se battre doublement pour faire valoir sa compétence? Parce que la femme, c'est un double combat que doit mener la femme. La femme pense qu'au fait, il y a une minorité de femmes qui ont compris, qui a compris au fait, parce que je parle d'une minorité, qui a compris qu'il faut se battre. Mais la majorité dort encore. Moi, je suis toujours contre une société famocratisée. Ça veut dire une société où on doit servir les femmes toujours sur un plateau d'or. On doit baliser quand même le terrain par rapport à ça. Mais par la loi. Mais la loi est claire. Ça doit exister, Paulette. Au fait, aujourd'hui... Vous êtes misogyne. Aujourd'hui, si... Au fait... Mon souci le plus ardent, c'est que les femmes... Qu'on ne me dise pas que les hommes qui sont là sont plus compétents ou moins compétents que les femmes qui sont là. Mais par contre, les hommes, essayent un peu quand même de poser des actions, de s'émouvoir et de se prévaloir, de montrer leur compétence sur le terrain. Il y a un problème. Il y a un problème très cher, confrère, qu'on doit relever dans ce pays. Vraiment. C'est là où je dis que les services de renseignement n'aident pas le chef de l'État. Nos services, peut-être que on les aide tout simplement lorsqu'on critique, par exemple, sur ce plateau. Et pourtant, lui a encouragé, il a encouragé les débats démocratiques. Ça, pour cela, vraiment, personnellement, je l'ai acclamé. J'ai compris que le chef de l'État vraiment nous suit et il encourage l'échange des idées. Mais je crois que les services de renseignement devraient aller au-delà pour découvrir les intelligences féminines qui sont dans ce pays et lui faire le rapport. Parce que la promotion ne viendra pas. Il le sait bien que dans les partis politiques, ne se meuvent que les hommes. Mais je crois qu'à son niveau, lui, le chef de l'État, donc, les services de renseignement devraient lui faire part quand même de quelques intelligences. Madame Paulette, vous n'êtes pas moins compétente que Mounga. Vous n'êtes pas moins compétente que Luzolo Bambi. Vous n'êtes pas moins compétente que mon frère Aimé Bahati Lukwebo. Donc, mais le problème, c'est qu'il faudrait que les services de renseignement qui suivent cette émission, au lieu tout simplement de s'acharner sur vos positions et qui semblent ne pas plaire au chef, qu'on dise que voilà cette dame, si nous la mettons à telle place, elle peut produire tel résultat. On a pris une journaliste, notre consoeur, qui est maintenant PCIA de l'ONIP. Mais on a vu qu'elle a produit un travail qui est apprécié par tout le monde, jusqu'à ce qu'on l'a élevée. Mais elle était là, coupée comme nous. Nous avons été ensemble avec elle dans les reportages. Personnellement, j'ai fait des reportages avec elle. Mais vous sentez qu'aujourd'hui, elle a vraiment porté son costume de ministre à tel point qu'elle a mérité encore plus de la confiance du chef de l'État pour lui confier l'ONIP. Je crois, et c'est un appel pathétique que j'adresse, n'est-ce pas, à nos services de renseignement, qui doivent découvrir qu'il y a des intelligents dans ce pays. Il ne faudrait pas que le chef de l'État se recroqueville tout simplement sur les listes qui lui sont présentées par les partis politiques. Parce que moi, je ne vois pas même dans le gouvernement des confusions nationales ici. Je ne vois pas, en effet, l'apport, par exemple, d'un Germain Kambinga, des gens qui ont pourfendé le chef de l'État il n'y a pas longtemps, des gens qui se sont attaqués au chef de l'État il n'y a pas longtemps, par rapport à Bahati, n'est-ce pas, qui a sa plateforme qui a offert au chef de l'État plus de 21 députés. Donc, je ne vois pas ce qu'il apporte par rapport au PPRD de lorsqu'on doit sacrifier les membres de sa famille politique, qui se sont battus, qui ont mouillé leur chemise, les Kabassé, les Chimanga, qui ont mouillé leur chemise
au profit de ceux qui l'ont insulté hier, je crois que c'est une insulte. Au nom de la cohésion nationale. Au nom de l'ouverture. Non, il n'y a pas d'ouverture. Je crois qu'il y a lieu de corriger les choses. Je crois que le chef de l'État devra aujourd'hui instruire les services de renseignement militaires, les services de renseignement civils, pour qu'on lui cherche ces 15 oiseaux rares dont il a toujours besoin. Il y a des femmes plus compétentes. Je crois, Madame Paulette, si on fait appel à vous demain, je ne fais pas votre promotion, je crois que vous n'allez pas décevoir. Le seul exemple que nous avons, c'est Geneviève Vinagossi. Oui, Thierry, quelques mots par rapport. C'est un sujet passionnant quand même. Trop de passion. En fait, c'est que, bon, je vois que ça... Je ne veux pas être misogyne ou encore moins sexiste, mais il y a un grand problème, un grand défi pour la femme congolaise aujourd'hui, c'est son degré d'implication à la vie politique. Et ça, tant que ça ne sera pas corrigé, vous ne verrez jamais autant de femmes à la tête des institutions. Ça doit être réglé à ce niveau-là. Quel est le rôle des femmes dans nos partis politiques? Danser. Se battre pour l'épargne, chanter à la gloire du leader politique. Il y a très peu de femmes qui ont des partis politiques à elles seules. Très peu. J'en connais peut-être qu'une seule. Mais voilà le problème. C'est là, c'est au niveau basique que s'y situe le problème. Le rôle que jouent les femmes dans les partis politiques, il y a les associations. Ça commence par là. Il y a beaucoup de femmes dans les associations. Elles sont plus dans les associations, dans les sociétés, dans la société civile. Mais la société civile n'est pas vouée, n'est pas appelée à être au gouvernement. Le rôle de la société civile, ce n'est pas prendre le pouvoir. On prend le pouvoir dans les partis politiques. Et quel est le degré d'implication des femmes à ce niveau-là? Il est totalement négatif. Ça, c'est là où on va parler, crier, les femmes compétentes, on en a beaucoup. On fait votre promotion ici par... Je suis très heureux, mais je sais que ma soeur ici est de la société civile. Elle n'est pas vouée à être dans les institutions. Mais je fais mon travail de journaliste, je suis désolé. Voilà. Vous êtes bien là où vous êtes et nous vous souhaitons que vous restez là. Même si on vous appelle plus tard, ce serait une bonne chose pour nous, on ne refusera pas. Mais seulement qu'il faut voir les choses dans l'ordre. On atteint les charges d'État par militantisme et par méritocratie. Mais c'est comme ça partout. Vous n'êtes pas membre d'un parti politique. Vous serez ministre comment? Juste un seul mot pour dire. Écoutez, nous sommes dans un contexte politique où les partis politiques, ce sont des boutiques des hommes politiques. Nous le savons. Et nous savons comment on crée un parti politique. Je crois que la volonté politique du chef de l'État devrait être engagée à son propre niveau et au niveau... Vous demandez trop à Joseph Kabila. Non, ce n'est pas trop lui demander. Vous lui demandez trop. S'il vous plaît. Nous connaissons comment les partis politiques... Qui ne sait pas que MLC, c'est pratiquement une boutique... Vous êtes tellement habitué à Mobutu. ...de Mbemba. Non, s'il te plaît. Ce n'est pas qu'il doit tout faire. Sa volonté, il doit la manifester. Je crois... Il a manifesté plusieurs fois. Voulez-vous? Je crois que Kabila, son père, à l'époque... Il y a de têtes que lui seul a sélectionné à partir des Kamere, les Mobasakani ont été découverts sur les plateaux de télévision. Mais il y a des femmes qui s'expriment mieux, des femmes qui sont très engagées, mais qui trouvent que s'engager dans les partis politiques, on connaît ce qui se passe. Il ne faudrait pas trop demander à ces femmes-là. Moi, je ne vois pas Kimuntu aller aujourd'hui. Nous avons vu le militantisme de Ernestine Nyoka payer. Nyoka était dans tous les plateaux télé, comme tu l'as cité. Elle était remarquée. Oui. Elle est une bonne communicatrice. Voilà, elle est aujourd'hui ministre. À la place d'un Atundu Liongo qui a fait autant qu'elle, par exemple. Non, c'est écoutez, exemple, il ne faut pas de... donner la prime la plus mauvaise à Joseph Kabila. Il n'y a pas de Mieze au PPRD. Il y a Madame Mieze au PPRD. On ne pouvait pas donner, par exemple, ce poste de vice-premier ministre à Mieze plutôt qu'à Bochard. On ne pouvait pas au niveau du PPRD. Non, je vous en prie. Au niveau même chez Bahati, Lukwebo. Non, s'il vous plaît. Est-ce qu'on ne pouvait pas présenter une dame à la place d'un homme? Tous les partis politiques, pourquoi n'ont-ils privilégié que des hommes? Donc voilà. c'est pour vous dire que tout le monde réfléchit. On est d'accord. On est dans le même diapason que toi. Le militantisme doit commencer au niveau des partis politiques. Dans les partis politiques, il y a des femmes. Et ces femmes-là, on les a négligées parce que les partis politiques, ce sont des boutiques des propriétés de ces partis politiques.
Voilà, nous prenons maintenant le deuxième thème, c'est la loi électorale de Délice Sanga. Cette loi a suscité beaucoup de passion, Thierry, c'est vous, vous êtes beaucoup plus dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Oui, il est tout derrière, vraiment dans le couloir, vous sillonnez les couloirs de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette loi? Pourquoi Délice Sanga a retiré sa loi qui était pourtant une loi assez fondamentale, une loi assez forte, qui pouvait décrisper un peu la situation, hein, surtout sur le plan électoral en RDC? Oui, c'est vrai que je suis dans les couloirs du Palais du Peuple, Joël Cadet, je refuse pas. Mais l'information, je l'ai suivie sur Congweb. Parce que Délice Sanga a fait un point de presse et il a expliqué que la loi qui a été distribuée aux députés n'était pas sa loi. La loi que lui avait proposée n'avait pas mis d'incise, ou plutôt n'avait pas fait une ouverture vers une certaine révision constitutionnelle telle que la loi proposée et distribuée l'indique. Donc Délice Sanga s'est désolidarisé de ce texte de loi qui n'est pas le sien. Et je reconnais en lui un courage politique tout à fait exemplaire pour une personne qui est d'une intelligence avérée. La loi C. Sanga est une loi vieille. Une loi qui a été déposée de 2012, je crois. Depuis 2012. Depuis 2012, cette loi. Juste après les élections. Voilà. Une loi qui a été mise en place au regard des écueils constatés dans l'organisation des élections de 2011. Délice Sanga a produit cette loi. Je me rappelle que le jour de son dépôt, il y a eu beaucoup de débats autour de la capacité. On lui a même dit que c'est une loi qu'il a copiée, ainsi de suite, il a fait du plagiat. Bon, on ne va pas revenir sur ce chapitre-là. La loi Sanga existe depuis 2012. Là où il y a discussion, c'est que le gouvernement est venu avec 3 projets de loi sur les élections au début de cette législature. Et on devait confronter les deux pour en tirer un texte unique. C'est Sanga, se fondant sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, a refusé qu'on puisse faire du melting pot ou du mélange avec ces 3 lois qui venaient du gouvernement et sa loi pour en faire un seul texte. Parce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit que l'initiative est concurrente entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Mais dès lors que l'initiative a été prise par une des institutions, la même matière ne peut pas être concurrente. Deux fois. Voilà. Donc, il y a déjà préséance de sa loi, parce qu'il a des remises depuis 2012, et le gouvernement qui est venu après ne veut remballer son texte et statuer sur ce texte-là. À défaut, le texte du gouvernement pouvait servir de texte martyr, texte de référence, un texte sur lequel on peut se fonder pour discuter du texte premier. Ce n'est pas ce qui était fait, et voilà que Délice Sanga retire son texte. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça la question. Qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas de loi maintenant électorale. Le gouvernement va revenir avec sa loi. C'est ça qui va passer de toutes les façons. Donc ce gouvernement, ben, il y aura cette loi, on va la ramener. On va ramener pour discussion. Et là, cette fois-ci, le gouvernement devra assumer les choix portés à travers cette loi s'il y aura révision constitutionnelle ou pas. Délice Sanga s'est déchargé, a refusé d'endosser la responsabilité d'une quelconque révision constitutionnelle parce qu'on lui prêtait déjà l'intention. Voilà, il a amené une loi qui amène une certaine révision de la Constitution. Et il a refusé, en tant que cadre de l'opposition, de porter ce chapeau. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La loi électorale, c'est les enjeux. Le temps passe, hein, ça coule déjà. C'est déjà le sujet d'une session extraordinaire annoncée ce 19... Qu'est-ce qui va se passer? Le gouvernement va amener ses lois et puis ça va passer. Non, je crois qu'il faut retenir une chose, que le feu allumé au Burkina Faso, la fumée a piqué trop dans les yeux de Délice Sanga, tout comme du gouvernement, qu'il fallait qu'on puisse se laver les yeux pour bien revoir les choses. Je crois que c'est à ce niveau-là que se situe la question. Et les gens de l'opposition avaient déjà critiqué leurs collègues qui semblent être de l'opposition. Il y a eu beaucoup qui ont parlé pour ne pas faire leur promotion sur ce plateau, qui ont dit que le gouvernement voulait se servir de Délice Sanga pour porter un coup contre le peuple. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement devra assumer sa responsabilité au lieu de se recroqueviller derrière Délice Sanga, qui a compris un peu les choses en avance. J'ai admiré les félicitations qu'il a reçues de mon co-débatteur de tout à l'heure. L'en va de sa responsabilité, mais là où il faut retenir le chose, c'est qu'il faut éviter la tricherie, madame. Vous savez, des gens qui sont habitués depuis leur bas âge à l'école primaire, secondaire, à l'université, à ne faire que tricher pour réussir dans la vie, ils ont amené cette pratique jusqu'au Parlement. Évitons la tricherie. Si on veut assumer les responsabilités
avec l'histoire de ce pays qu'on a tenu à réviser la Constitution, qu'on assume ces responsabilités-là au lieu de vouloir... Il faut que Patrick dise vraiment un mot par rapport à la loi électorale de Célie Cessan. Est-ce que vous comprenez, c'est un acte de bravoure ou simplement un acte de responsabilité par rapport à l'histoire du pays? Ben finalement, il y a un flou là, parce que déjà le bureau dit que deux jours avant, il a retiré sa loi, et puis lui-même, il tient un point de presse pour dire que, bon voilà, on avait modifié substantiellement les contenus de sa loi. Finalement, on ne comprend que dalle là-dedans. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une manœuvre dilatoire, tout simplement pour faire traîner les choses. Tout simplement. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, la télé, c'est le temps dommage, en tout cas, pour... on en parlera la semaine prochaine, en tout cas, on essaiera d'ouvrir vraiment le thème avec la situation dans l'Est de la République, et vraiment, nous pensons qu'il y aura accalmie hein, pour les fêtes. Les fêtes, je crois que c'est déjà la semaine prochaine, donc nous profitons d'ailleurs de l'occasion pour vous présenter vraiment nos vœux les meilleurs pour l'année 2015, et je remercie vraiment Alain Diasso, hein, c'est à travers son condensé du discours de chef de l'État qu'on s'est inspiré aujourd'hui. Merci Alain Diasso, des intelligences comme ça dans mon pays. En tout cas, ça ne fait que plaisir. Alors, merci à Patrick Kalinga d'avoir accepté d'être des nôtres. Merci Patrick. Merci. Et bonne chance à Antena et pour ton magazine Tabala Magazine. Voilà. Et merci donc à Joël Kadé Impact News, qui ne mâche pas ses mots. Merci de ne pas être trop misogyne. Et de nous défendre quand même par rapport à la parité homme-femme. Merci beaucoup. Et merci à Thierry Bongo. C'est vrai que vous êtes pour la méritocratie. Ben, j'espère que les femmes vous ont entendu, hein, que nos compétences... On doit se battre doublement, nous les femmes. On est femmes, donc on doit encore prouver qu'on est intelligent. C'est vraiment un double travail. Mais on n'y peut rien. C'est la société. Merci beaucoup, Paulette. Donc, merci à vous tous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité à cette émission que moi, j'apprécie énormément parce que ça nous permet vraiment de parler, de débattre, de co-débattre et les intelligences bouillonnent. Et voilà, merci à Alain Bolikango et à Maïlo Bumba à la régie. Et on se retrouvera avec le même plaisir, ou surtout peut-être un peu plus, la semaine prochaine. Au revoir.